Des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « La croissance cellulaire ». C'est la session numéro 2, enseignée par le pasteur Larry Stockstill. We welcome you today to this study of cell groups. Bienvenue aujourd'hui à notre étude sur les groupes de maison. In our last session, we discussed the purposes of cell groups. Dans la session précédente, nous avons parlé du but des groupes de maison. That there are three purposes for the church. Qu'il y a trois buts dans l'église. The first purpose is to pastor believers. Le premier but, c'est d'être un pasteur pour les croyants. And we discuss Moses and how he organized the church in the wilderness. Nous avons parlé de Moïse et comment il a organisé l'église dans le désert. He put them into small groups of tens. Il les a rassemblés par petits groupes de 10. And then put overseers over them to pasture them well. Et il a placé des personnes au-dessus de ces 10 pour s'occuper d'eux pastoralement. We see that in the early church they pastored their people very well. Nous voyons que dans la première église, ils s'occupaient très bien du peuple. They taught them publicly. Ils les enseignaient de façon publique. And from house to house. Et de maison en maison. Now the second purpose of the church. Le deuxième but de l'église. Is to evangelize the lost. C'est d'évangéliser les perdus. And as we will show in our next session. Et comme nous vous montrerons dans la session suivante. The third purpose of the church. Le troisième but de l'église. Is to raise up leaders. C'est de susciter des conducteurs. Another generation that follows us. Une génération qui viendra après nous. Now people use many different structures to accomplish these three things. Les gens peuvent utiliser beaucoup de structures différentes pour accomplir ces trois choses. But we have found that the cell group structure helps us to do this the best of all. Mais nous avons découvert que la structure des groupes de maison, c'est ce qui nous aide le mieux pour faire toutes ces choses. It's very obvious that you can pastor believers better in cells. C'est très clair que vous pouvez mieux vous occuper pastoralement des gens dans des groupes de maison. Jesus pastored his 12 around him as a cell. Jésus était pasteur des 12 qui étaient près de lui comme dans un groupe de maison. And he lost none of them except Judas, the son of perdition. Et il n'en a perdu aucun si ce n'est Judas, le fils de la perdition. But how can cells evangelize the lost? Mais comment est-ce que les groupes de maison peuvent évangéliser les perdus? We always think that only our main church services can evangelize people. Nous pensons toujours que c'est seulement nos grandes réunions d'église qui peuvent évangéliser les personnes. And it's very true that a crowd draws the lost. Et c'est réellement vrai qu'une foule attire les perdus. In our church on Sunday, we often have 50 people who are saved. Dans notre église le dimanche, il y aura souvent 50 personnes qui sont sauvées. So we do not disparage the fact that people can get saved in large open services. Donc nous ne négligeons pas le fait que des gens peuvent être sauvés dans les grandes réunions publiques. But studies have proven that more people get saved through relationships. Mais des études ont prouvé qu'il y a plus de personnes qui trouvent le salut à travers des relations. Than get saved through events. Qu'à travers des grands événements. In the New Testament, we find one person inviting their friend to meet Jesus. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une personne qui invite son ami à rencontrer Jésus. They brought their brother or their father to the Lord, and that's how they got saved. Ils ont amené leur père ou leur frère au Seigneur, et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Now, this is important that cell groups can evangelize the lost. C'est important, les groupes de maison peuvent évangéliser les perdus. In a cell group, you have a spiritual family. Dans un groupe de maison, vous avez une famille spirituelle. And people are drawn to that community. Et les gens sont attirés à cela. The number one problem in the world. Le problème numéro un dans le monde. Is loneliness. C'est la solitude. Lost people are lonely. Les personnes perdues sont dans la solitude. When they observe Christians in cell groups loving each other. Quand ils observent des chrétiens dans des groupes de maison qui s'aiment les uns les autres. Jesus said the world would know that God had sent him. Jésus a dit que le monde saurait
que c'est Dieu qui les a envoyés. Now, in evangelizing the lost, dans l'évangélisation des perdus, we should understand vision. Nous devons comprendre la vision. The Lord appeared to Paul. Le Seigneur est apparu à Paul. In Acts 26. Dans Actes 26. He said, "I have appeared to you for this purpose." Il dit, je te suis apparu dans ce but-ci. To make you a minister and a witness. Pour t'établir ministre et témoin. In verse 18, verset 18, he says to open their eyes, afin que tu leur ouvres les yeux, and turn them from darkness to light, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, and from the power of Satan unto God, et de la puissance de Satan à Dieu. Now I know that in many of your countries, Satan is ruling the minds of people. Je sais que dans beaucoup de vos pays, Satan règne dans les pensées des personnes. Their minds are darkened in their understanding. Leur pensée, leur compréhension est obscurcie. And Jesus told Paul, "Your purpose is to open their eyes." Et Jésus a dit à Paul, ton but c'est de leur ouvrir les yeux. That they may receive forgiveness of sins. Afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés. And an inheritance among them are sanctified by faith in me. Et l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. This Paul called the heavenly vision. C'est ce que Paul a appelé la vision céleste. Winning souls. Gagner les âmes. Is the heavenly vision. C'est la vision céleste. And we can accomplish that best through cell groups. Et le meilleur moyen de l'accomplir, c'est à travers les groupes de maison. In El Salvador. À El Salvador. There is a large church. Il y a une grande église. With 6,000 cells. Avec 6,000 groupes de maison. And they have a motto, et ils ont un mot d'ordre, which I would like to teach que j'aimerais you. Vous enseigner. They say together every week, ils disent tous ensemble chaque semaine, number one, premièrement, I have a purpose. J'ai un but. You do have a purpose. Vous avez un but. Number two, deuxièmement, my purpose is winning souls. Mon but, c'est de gagner des âmes. That's what Jesus told Paul. C'est ce que Jésus a enseigné à Paul. You are alive to open their eyes. Tu es vivant pour leur ouvrir les yeux. Turn them from darkness to light. Fais-les passer des ténèbres à la lumière. And from the power of Satan to God. Et de la puissance de Satan à Dieu. Number three. Troisièmement. I fulfill that purpose. J'accomplis le mieux ce but. Best in a group. Dans un groupe. Can you believe you will win more souls in a cell group than by yourself? Est-ce que vous pouvez croire que vous gagnerez plus d'âmes dans un groupe de maison que tout seul? Jesus never sent his disciples out one by one. Jésus n'a jamais envoyé ses disciples seuls, un à un. He sent them two by two. Il les a envoyés deux par deux. Now I am going to take for granted that you agree that you can have cell groups in your church. Maintenant, je vais supposer que vous êtes d'accord que vous aurez des groupes de maison dans votre église. What causes a cell group to start to evangelize? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de maison commence à évangéliser? Because the natural tendency will be for the cell group to just fellowship. Parce que la tendance naturelle d'un groupe de maison sera seulement d'avoir la communion ensemble. When Christians come together in a home, they all want to talk and eat and fellowship. Quand des chrétiens se rassemblent dans une maison, ils veulent tous parler, manger et être en communion les uns avec les autres. What makes them want to bring the lost to that meeting? Qu'est-ce qui fait qu'ils auront envie d'amener les perdus dans cette réunion? It is imperative that a cell group evangelize. C'est un impératif qu'un groupe de maison évangélise. If it does not evangelize, s'il n'évangélise pas, it will grow stagnant. Ça va stagner. And ultimately, that cell group will die. Et finalement, ce groupe de maison va mourir. Parents must produce children. Les parents doivent produire des enfants. Or they are unhappy. Ou alors ils ne sont pas heureux. And when cell members are bringing the lost to the group. Et quand des membres d'un groupe de maison amènent les perdus dans ce groupe. It causes the cell members to mature. Les membres du groupe de maison vont devenir plus matures. Because they are now the examples for the new believers. Parce que maintenant ils sont devenus des exemples pour ces nouveaux croyants. Remember, you have a purpose. Souvenez-vous, vous avez un but. Your purpose is winning souls. Votre but, c'est de gagner des âmes. And you fulfill that purpose best in a group. Et vous accomplissez le mieux ce but dans un groupe.
Now in the book of Proverbs, dans le livre des Proverbes, we see about four little animals. Il nous est parlé de quatre petits animaux. These four animals, the Bible says, ces quatre animaux, nous dit la Bible, are little upon the earth, sont petits sur la terre, but very wise. Mais très sages. And they typify a soul-winning cell group. Et ils représentent un groupe de maisons qui gagnent des âmes. In Proverbs chapter 30 and verse 25. Dans Proverbes chapitre 30 au verset 25. The Bible tells us these four little animals. La Bible nous parle de ces quatre petits animaux. And they show us the dynamics that must be in a cell that is reaching the lost. Et ils nous montrent les dynamiques qu'on doit trouver dans les groupes de maisons qui atteignent les perdus. The first animal is an ant. Le premier animal, c'est une fourmi. The ants are a people not strong. Les fourmis sont un peuple qui n'est pas fort. But they prepare their meat in the summer. Mais ils préparent leur nourriture en été. I don't know if you have ants in your country. Je ne sais pas s'il y a des fourmis dans votre pays. But in many nations of the world, ants are there, little tiny small beings. Mais dans beaucoup de nations du monde, les fourmis sont là et c'est des êtres tout petits. But they are very focused. Mais elles ont un but. They must gather their food before the harvest is over. Elles doivent rassembler leur nourriture avant que la moisson se termine. This is the first element of an evangelizing cell group. Ça, c'est le premier élément d'un groupe de maison qui évangélise. That group must have a focus on the lost. Ce groupe doit être centré sur les perdus. The ant is the symbol of purpose. La fourmi représente le but. He does not be satisfied just to lay around in the ant bed. Il ne se satisfait pas juste à se retourner dans son lit de fourmi. He wakes up in the morning saying, the end of the harvest is coming and I must gather it in right now. Il se réveille le matin et il dit, la fin de la moisson arrive et il faut que je la rentre maintenant. He is not satisfied with what he has already gathered. Il n'est pas satisfait avec ce qu'il a déjà rassemblé. He knows he has a limited amount of time. Il sait que le temps est compté. You have a limited amount of time. Votre temps est compté. Only in your lifetime can you win souls. C'est seulement pendant votre vie que vous pouvez gagner des âmes. We call this purpose. Nous appelons cela avoir un but. A drive to accomplish the winning of souls. Quelque chose qui nous pousse à gagner des âmes. The Apostle Paul had this purpose. L'apôtre Paul avait ce but. So every member of the cell group. Donc chaque membre du groupe de maison. Must be a spiritual ant. Doit être une fourmi spirituelle. They must go for the harvest. Qui va pour rentrer la moisson? In Dr. Cho's church in Seoul, Korea. Dans l'église de Dr. Cho en Corée du Sud. One lady. Une femme. In a cell group. Dans un groupe de maison. Won 365 families to the Lord in 1 year. A amené 365 familles au Seigneur en une année. She is an ant for God. Elle est une fourmi pour Dieu. Every cell member must say, I must win souls. Chaque membre du groupe de maison doit dire, moi je dois gagner des âmes. Now in our cell groups, dans nos groupes de maison, we have 1 week's lesson that focuses on believers. Nous avons des leçons pendant une semaine qui se centrent sur les croyants. And we write out the names of those we want to invite to the next week. Et nous écrivons les noms de ceux que nous voulons inviter la semaine suivante. We pray over those names. Nous prions sur ces noms. And we ask the Lord to cause them to come to our cell meeting. Et nous demandons au Seigneur de les amener à notre groupe de maison. On the second week, la deuxième semaine, we have an evangelism meeting. Nous avons une réunion d'évangélisation. We invite the lost. Nous invitons les perdus. We focus on their needs. Nous nous centrons sur leurs besoins. We minister to them. Nous prions pour eux. And they get saved. Et ils sont sauvés. The third week, la troisième semaine, is just believers again. C'est simplement pour les croyants. And we pray for each other's need. Et nous prions pour les besoins les uns des autres. We write down the names of those we want to evangelize. Nous écrivons les noms de ceux que nous voulons évangéliser. And we invite them the fourth week. Et nous les invitons à la quatrième semaine. Every other week. Une semaine sur deux.
is an evangelism week. C'est une semaine d'évangélisation. And we invite the lost. Et nous invitons les perdus. This keeps the group focused. Ceci fait que le groupe garde son but. They do not drift from their purpose. Ils ne perdent pas leur but. They do not exist just to fellowship. Ils n'existent pas juste pour la communion. But they are like an ant. Mais ils sont comme des fourmis. Who prepares his meat in the summer. Qui prépare sa nourriture pendant l'été. The second animal. Le deuxième animal. Is also a type of an evangelizing group. Représente aussi un groupe qui évangélise. And that is the coney. C'est le lapin. Now the coney is a small animal. Le lapin est un petit animal. The Bible says is not strong. La Bible dit qu'il est sans puissance. But he makes his house in the rocks. Mais il place sa demeure dans les rochers. He has learned the principle of partnership. Il a appris le principe du partenariat. That alone, que seul, he's weak. Il est faible. But when he backs up between the rocks, et quand il se cache derrière les rochers, he becomes stronger. Il devient plus fort. This is the way it is in a cell group. C'est comme cela dans un groupe de maison. You may be ashamed of how you teach the Bible. C'est possible que vous ayez honte de votre façon d'enseigner la Bible. And embarrassed to win souls by yourself. Et que vous sentiez embarrassé pour gagner des âmes. But when you get in a group, mais quand vous êtes en groupe, you feel stronger. Vous sentez plus fort. You feel more apt to bring people to the group. Vous sentez plus capable d'amener des personnes dans ce groupe. This is the principle of the coney. C'est le principe du lapin. He has learned the power of partnership. Il a appris la puissance du partenariat. Jesus sent his disciples out by twos. Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. I said at the beginning of this lecture. J'ai dit au début de ce cours. I have a purpose. J'ai un but. My purpose is winning souls. Mon but c'est de gagner des âmes. Number two. Deuxièmement. I fulfill my purpose best in a group. Je peux le mieux accomplir ce but dans un groupe. This is what partnership is. C'est ça le partenariat. Many people fish by themselves. Beaucoup de personnes vont à la pêche tout seuls. And they go with a hook and a line and they try to get one fish at the time. Et ils prennent une canne à pêche et un filet, ils essaient d'attraper un poisson à la fois. But on the Sea of Galilee. Mais sur la mer de Galilée. Where Jesus ministered, là où Jésus exerçait son ministère, they fished as partners. Ils allaient à la pêche en partenariat. In Luke chapter 5, dans Luc chapitre 5, as Jesus got into Peter's boat, quand Jésus est monté dans le bateau de Pierre, it says that Andrew, James, and John were his partners in fishing. C'est dit que André, Jacques et Jean travaillaient avec lui dans la pêche. They understood net fishing. Ils comprenaient ce que c'était que d'aller à la pêche avec un filet. That if every man held a corner of the net, que si chaque homme tenait un coin du filet, hundreds of fish would swim in. Des centaines de poissons allaient rentrer dedans. And they could pull in 150 fish. Et ils pouvaient attraper 150 poissons. Instead of one at a time. Au lieu d'en attraper un à la fois. If you go to the Sea of Galilee today, si aujourd'hui vous allez à la mer de Galilée, you still see them fishing this way. Vous verrez qu'ils vont encore à la pêche cette façon-là. Everyone's involved in the harvest. Tout le monde est impliqué dans la moisson. Some drop the net. Certains jettent le filet. Some are pulling in the net. D'autres font rentrer les filets. Some are pulling it to shore. D'autres les tirent jusqu'à la plage. Some drop in weights to keep the fish inside the net. D'autres font tomber des poids dedans pour que les poissons restent dans le filet. And some pull the fish out onto the ground. Et d'autres tirent le poisson jusque sur terre. It's partnership. C'est un partenariat. A cell group. Un groupe de maison. Is a partnership of fishing. C'est un partenariat pour la pêche. In our cell groups. Dans nos groupes de maison. The cell will discuss how to win the lost. Le groupe de maison va parler de comment gagner les perdus. Maybe they will go to a group of apartments and all reach out together. Peut-être qu'ils vont tous se rendre vers des immeubles pour tous ensemble aller évangéliser. Or they will all invite their mother in one night. Ou alors un soir ils vont tous inviter leur mère. But they're praying as a group. Mais ils prient en tant que groupe. How do we win the lost? Comment gagner les perdus?
This is the coney principle. C'est le principe du lapin. It's not your power by yourself. C'est pas votre puissance à vous tout seul. It's the rocks you are associated with. C'est les rochers avec lesquels vous êtes associés. They are your strength. C'est eux votre force. Your other cell members are your strength. Les autres membres de votre groupe de maison sont votre force. So you evangelize together with them. Alors vous évangélisez avec eux. The third animal. Le troisième animal. It is the locust. C'est la sauterelle. The locust flies in a huge swarm. La sauterelle vole en très grand groupe. And can block out the sun. Et ça peut même couper la lumière du soleil. In the book of Joel. Dans le livre de Joël. The Bible talks about the locust army. La Bible parle de l'armée des sauterelles. That they are people who take over a city. Que c'est un peuple qui va vaincre une ville. I believe this illustrates prayer. Je crois que ça illustre la prière. They control the air. Ils contrôlent les airs. And we must control the spiritual forces in heavenly places. Et nous devons contrôler les forces spirituelles dans les lieux célestes. Believers in a cell group. Les croyants dans un groupe de maison. Must pray and do spiritual warfare. Doivent prier et faire du combat spirituel. To evangelize the lost, they must defeat Satan. Pour évangéliser les perdus, ils doivent vaincre Satan. Jesus said their eyes must be open. Jésus a dit que leurs yeux doivent s'ouvrir. They must be turned from darkness to light. Ils doivent passer des ténèbres à la lumière. And from the power of Satan to God. Et de la puissance de Satan à Dieu. Satan is holding your country. Satan tient votre pays. He's holding your relatives. Il tient les membres de votre famille. He's holding your neighbors. Il tient vos voisins. He's blinded their minds. Il a aveuglé leurs pensées. And as the cell group prays, et quand le groupe de maison prie, we control the heavenly places. Nous contrôlons les lieux célestes. We open the heavens. Nous ouvrons les cieux. And we allow the light of God to shine on them. Et nous permettons à la lumière de Dieu de briller sur eux. A cell group must pray to win the lost. Un groupe de maison doit prier pour gagner les perdus. And that is the third word. Et c'est le troisième mot. The principle of prayer. Le principe de la prière. When a cell prays, quand un groupe de maison prie, the devil turns loose. Le diable est déchaîné. I want to challenge you as a cell group. Je veux vous lancer un défi en tant que groupe de maison. Remember your purpose. Rappelez-vous de votre but. I have a purpose. J'ai un but. My purpose is winning souls. Mon but, c'est de gagner des âmes. I fulfill that purpose best in a group. J'accomplis le mieux ce but dans un groupe. And then as the cell group prays. Et ensuite, quand le groupe de maison prie. We see the last principle. Nous voyons le dernier principe. The Bible says the locust has, rather the spider takes hold with her hands. La Bible dit que le lézard saisit avec les mains. But is in king's palaces. Et se trouve dans les palais des rois. One translation says this is a lizard. Donc c'est le lézard. The lizard you can hold in your hand. Le lézard, vous pouvez le tenir dans votre main. But he is in king's palaces. Mais il se trouve dans les palais des rois. I'm sure you have a lizard in your country. Je suis sûr qu'il y a des lézards dans votre pays. And the lizard pokes his head inside your house. Et le lézard lève sa tête dans votre maison. He is built in such a way he can penetrate through a small hole. Il est fait de telle manière qu'il peut passer par un tout petit trou. He does not have to be invited. Il n'a pas besoin de se faire inviter. He is going into your home. Il rentre dans votre maison. He doesn't care if you're the king. Peu importe si vous êtes le roi. Or a pauper. Si vous êtes indigent. He is focused on penetration. Le but, c'est de rentrer. This is the fourth principle of a cell group. C'est le quatrième principe d'un groupe de maison. The group must penetrate. Le groupe doit entrer dedans. They do this in several ways. Il le fait de différentes façons. First of all, premièrement, they are able to meet in the home of an unbeliever. Ils peuvent se rassembler dans la maison de quelqu'un qui ne croit pas. And as they get into that home, et en rentrant dans cette maison, that person may get saved. Cette personne peut être sauvée. Secondly, deuxièmement, they invite
lost people to their home. Ils invitent des perdus dans leur maison. If they are a police officer, s'ils sont policiers, a school teacher, ou instituteur, a college student, ou étudiant, or whoever they are focused on, ou peu importe qui ils sont, they penetrate that area. Ils rentrent dans cet endroit. Now surely you have places in your area. C'est sûr qu'il y a des endroits là où vous habitez. Where there are lost people. Où il y a des personnes perdues. You must penetrate. Vous devez entrer là-dedans. You must be a lizard for God. Vous devez être un lézard pour Dieu. You must let the Lord show you how to get into that group. Vous devez permettre au Seigneur de vous montrer comment entrer dans ce groupe. And evangelize from the inside. Et évangéliser de l'intérieur. This fourth principle. Ce quatrième principe. Is the principle of the lizard. C'est le principe du lézard. Penetration. Rentrez dedans. I want you to turn to Luke chapter 5. Je veux que vous preniez Luc chapitre 5. And notice how Jesus penetrated into people's lives. Et remarquez comment Jésus est entré dans la vie des gens. The Bible says Jesus was teaching on the shore of Galilee. La Bible dit que Jésus enseignait sur la plage de Galilée. And in verse 2 it says there were two ships standing by the lake. Et au verset 2 il est dit il vit au bord du lac deux barques. The fishermen were gone out of them and were washing their nets. Les pêcheurs étaient sortis, ils étaient en train de laver leurs filets. But he entered into one of the ships. Il monta dans l'une de ces barques. Which was Simon's. Qui était à Simon. His boat was his world. Son bateau, c'était son monde. Jesus entered Simon's world. Jésus est entré dans le monde de Simon. And allowed his boat to be brought out of the to the lake. Et il a permis que son bateau soit amené dans le lac. This is the principle of the lizard. C'est le principe du lézard. You don't wait for the lost to come to your church. Vous n'attendez pas que les perdus viennent dans votre église. They don't want to come to your church. Ils n'ont pas envie de venir dans votre église. But you are going to penetrate them. Mais vous allez entrer en eux. You are going to get into their boat. Vous allez entrer dans leur bateau. And not wait for them to get into your boat. Et vous n'allez pas attendre que eux ils montent dans votre bateau. A cell group penetrates. Un groupe de maison entre dedans. In our church. Dans notre église. We have over 200 cell groups. Nous avons plus de 200 groupes de maison. That meet on the job. Qui se rencontrent sur le lieu de travail. They have penetrated that workplace. Ils sont rentrés dans ce lieu du travail. And they have opened a cell. Et ils ont ouvert un groupe de maison. In a hospital. À l'hôpital. The nurses turn into a cell group. Les infirmières ont formé un groupe de maison. And they win the lost in the hospital. Et elles gagnent les perdus à l'hôpital. Everywhere our people work. Partout où les gens travaillent. They are opening cell groups. Ils ouvrent des groupes de maison. They are lizards for God. Ce sont des lézards pour Dieu. I recently had a wonderful breakthrough. Récemment, j'ai eu une merveilleuse percée. In prayer. Dans la prière. I asked the Lord to open the home of the governor of our state. J'ai demandé au Seigneur d'ouvrir la maison du gouverneur de notre état. We were in a time of prayer and fasting. Nous étions dans un temps de jeûne et de prière. We knew our purpose was to win souls. Nous savions que notre but était de gagner des âmes. And to be in partnerships. Et de travailler en partenariat. We prayed for the governor. Nous avons prié pour le gouverneur. Within 1 week. En une semaine. He called my office. Il m'a appelé au bureau. And he asked, would I come and teach him the Bible? Et il a demandé que je vienne pour lui enseigner la Bible. The whole Bible. Toute la Bible. In 4 lessons. En 4 leçons. I went 4 different times. J'y suis allé 4 fois. And I taught him the Old Testament. Je lui ai enseigné l'Ancien Testament. The Gospels, les Évangiles, the Book of Acts, le Livre des Actes, and the Epistles. Et les Épîtres. After the 4 lessons, après 4 leçons, he wanted me to come back. Il a voulu que je revienne. We have now been going for over a year. Ça fait maintenant plus d'un an que nous y allons. I am a lizard for God. Je suis un lézard pour Dieu. I don't deserve to be in the governor's mansion. Je ne mérite pas d'entrer dans le palais du gouverneur. But I have made up my mind. Mais j'ai décidé. The Lord is going to open the door. Le Seigneur va ouvrir la porte. And I want to say something to some of you. Et je voudrais dire quelque chose à certains d'entre vous.
Some of you have been afraid to penetrate the higher levels of your society. Certains d'entre vous, vous avez eu peur de rentrer dans les plus hauts niveaux de votre société. You have been afraid to penetrate your own relatives. Vous avez eu peur de rentrer chez vos propres membres de famille. And the Lord says, get into their boat. Et le Seigneur dit, rentrez dans leur bateau. Find out what they are interested in. Découvrez ce qui les intéresse. And get involved serving them. Et impliquez-vous en les servant. Some of our groups have learned to even empty garbage. Certains de nos groupes ont même appris à vider les poubelles. And as they serve people emptying their garbage. Et en servant les personnes en vidant leurs poubelles. Those people become open to the gospel. Ces personnes s'ouvrent à l'évangile. This is the principle of the lizard. C'est le principe du lézard. It's the principle of penetration. C'est le principe de la pénétration. You don't wait for people to come to you. Vous n'attendez pas que les gens viennent à vous. But instead, you get into their boat. Mais vous montez dans leur bateau. And you notice what Jesus said. Et remarquez ce que Jésus a dit. After they had filled their boats with fish. Après avoir rempli leur bateau de poissons. The Bible says in verse 8, when Simon Peter saw it. La Bible dit au verset 8, quand Simon Pierre a vu cela. He fell down at Jesus' knees, saying, il tomba aux genoux de Jésus, disant, depart from me, I am a sinful man, O Lord. Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. When Jesus was good to Peter, quand Jésus a montré sa bonté à Pierre, Peter gave his heart to the Lord. Pierre a donné son cœur au Seigneur. People will get saved. Les gens seront sauvés. When others serve them. Quand d'autres les servent. And then in verse 10. Puis au verset 10. So was James. Il en était de même avec Jacques. And John. Et Jean. The sons of Zebedee. Les fils de Zébédée. Which were partners with Simon. Les associés de Simon. And Jesus said to Simon. Et Jésus a dit à Simon. Fear not. Ne crains point. From henceforth. Désormais. You shall catch men. Tu seras pêcheur d'hommes. They had become a spiritual partnership. Maintenant, ils étaient rentrés dans un partenariat spirituel. They had been fishing as partners. Ils avaient été à la pêche en tant qu'associés. And now they evangelized as partners. Et maintenant, ils évangélisaient en tant qu'associés. Now I want you to look at John chapter 4. Je veux que vous regardiez Jean chapitre 4. To show you the last principle of cell group evangelism. Pour vous montrer le dernier principe de l'évangélisation par les groupes de maison. We have learned that we have a purpose. Nous avons appris que nous avons un but. That is the ant. C'est la fourmi. That we should get into partnerships. Que nous devons nous mettre en partenariat. That is the coney. C'est le lapin. That we must learn to pray and do spiritual warfare. Que nous devons apprendre à prier et à faire du combat spirituel. That is the locust. C'est la sauterelle. And that we must not be afraid to penetrate. Et que nous ne devons pas avoir peur d'entrer dedans. We must go into another person's world. Nous devons entrer dans le monde d'une autre personne. That is the lizard. C'est le lézard. As I erase these, en effaçant ceci, I want to bring you to the last two principles. Je vais vous montrer les deux derniers principes. I want you to say after me again. Je veux que vous répétiez encore après moi. Number one. Premièrement. I have a purpose. J'ai un but. Tell someone else beside you there. Dites à quelqu'un d'autre à côté de vous. I have a purpose. J'ai un but. Number two. Deuxièmement. My purpose is winning souls. Mon but est de gagner des âmes. It is my lifetime calling. C'est l'appel de ma vie. That's why Paul was called by Jesus. C'est pour ça que Paul a été appelé par Jésus. Number three. Troisièmement. I fulfill my purpose. J'accomplis mon but. In a group. En groupe. The best way to fulfill my purpose. Le meilleur moyen d'accomplir mon but. Is in a group. C'est dans un groupe. Number four. Quatrièmement. I will never be satisfied. Je ne serai jamais satisfait. Until I fulfill my purpose. Jusqu'à ce que j'accomplisse mon but. It is important for you to understand that you will never be satisfied. C'est important que vous puissiez comprendre que vous ne serez jamais satisfait. With anything in your life. Dans votre vie.
until you fulfill your purpose. Jusqu'à ce que vous ayez accompli votre but. In John chapter 4. Dans Jean chapitre 4. Jesus had just led a woman to him. Jésus venait juste de conduire une femme à lui. And he said in verse 32. Il a dit au verset 32. I have meat to eat that you know not of. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. In verse 34. Verset 34. Jesus said to them. Jésus leur dit. My meat. Ma nourriture. Is to do. C'est de faire. The will of him that sent me. La volonté de celui qui m'a envoyé. And to finish his work. Et d'accomplir son œuvre. You will never be satisfied. Vous ne serez jamais satisfait. Until you fulfill your purpose. Jusqu'à ce que vous accomplissiez votre but. A fish was made to swim. Le poisson a été créé pour nager. A bird was made to fly. L'oiseau a été créé pour voler. And you were made to win souls. Et vous avez été créé pour gagner des âmes. That's why you're alive. C'est pour cela que vous êtes en vie. Mordecai said to Esther. Mardochée a dit à Esther. You have come to the kingdom. Tu es venu à la royauté. For such a time as this. Pour un temps comme celui-ci. And then we notice principle number 5. Ensuite, nous voyons le principe numéro 5. This one I will never be satisfied. Celui-ci, je ne serai jamais satisfait. Until I fulfill my purpose. Jusqu'à ce que j'ai accompli mon but. And number 5. Et cinquièmement. I have no promise of tomorrow. Je ne connais pas mon lendemain. I must work while I have the chance. Je dois travailler tant que je le peux. This is the principle Jesus taught his disciples. C'est le principe que Jésus a enseigné à ses disciples. He said to them, "Don't say there are yet 4 months." Il leur a dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois. And then comes the harvest. Puis vient la moisson. I say unto you. Je vous dis. Lift up your eyes. Levez les yeux. And look on the fields. Et voyez les champs. For they are white already to harvest. Car les champs sont mûrs pour la moisson. I want to give you more vision this morning. Je veux communiquer plus de vision ce matin. I want you to understand the number of people who are lost in this world. Je veux que vous compreniez le nombre de personnes qui sont perdues dans ce monde. You have a purpose. Vous avez un but. Your purpose is winning souls. Votre but, c'est de gagner des âmes. You will fulfill it best in a group. Vous l'accomplirez le mieux dans un groupe. You will never be satisfied. Vous ne serez jamais satisfait. Until you fulfill your purpose. Jusqu'à ce que vous ayez accompli votre but. And you have no promise of tomorrow. Et votre lendemain ne vous est pas dû. You must work. Vous devez travailler. While you have the chance. Tant que vous le pouvez. Every cell member. Chaque membre. Should memorize these 5 principles. Doit mémoriser ces 5 principes. Every cell meeting. Chaque réunion du groupe de maison. They should say these 5 things. Ils devraient dire ces 5 choses. Until they have a fire built into them. Jusqu'à ce qu'il y a un feu qui se construise en eux. A fire of evangelism. Un feu d'évangélisation. Someone may say, well, how many people are lost in the world? On peut se demander, mais il y a combien de personnes qui sont perdues dans le monde? I want to show you that right now. Je vais vous le montrer maintenant. Whatever nation you are in. Quelle que soit votre nation. In India. En Inde. In Bangladesh. Bangladesh. In Taiwan. À Taiwan. In Africa, en Afrique, in South America, en Amérique du Sud, in Russia, en Russie. How many people are lost? Combien de personnes sont perdues? Mission workers divide the world into 4 worlds. Les missionnaires divisent le monde en 4 mondes. The first world or the A world. Le premier monde, le monde A. Is 1 out of 10 people. C'est 1 personne sur 10. These are people who are believers. Ce sont des personnes qui croient. That's 500 million people. Ça fait 500 millions de personnes. The B world. Le monde B. 2 out of 10. C'est 2 sur 10. Or 1 billion people. Ou 1 milliard de personnes. These are backslidden people. Ce sont les personnes rétrogrades. They once made a decision to follow God. Une fois, ils ont pris la décision de suivre Dieu. But they fell away. Mais ils ont échoué. 1 billion people. 1 milliard de personnes. The third world, the C world. Le troisième monde, le monde C. 3 out of every 10 people. C'est 3 personnes sur 10. Who live in a nation that is reached. Qui vivent dans une nation qui est atteinte par l'Évangile. They have heard the gospel. Ils ont entendu l'Évangile.
But they have rejected it. Mais l'ont rejeté. 1.5 billion people. 1,5 milliard de personnes. The last world. Le dernier monde. The D world. Le monde D. 4 out of every 10 people. Les 4 personnes sur 10. They live in a nation that is unreached. Et ces personnes vivent dans une nation qui n'est pas atteinte par l'évangile. 2 billion people. 2 milliards de personnes. They have never heard the gospel. Qui n'ont jamais entendu l'évangile. Many of them live in your nations. Il y en a beaucoup qui vivent dans vos nations. In India, there are millions in the D world. En Inde, il y en a des millions qui sont dans le monde D. All across the world, there are unreached people. Partout dans le monde, il y a des personnes qui sont pas atteintes. And you must put the vision before your cell groups. Et vous devez placer cette vision devant les membres de votre groupe. These people we know are ready to go to heaven. Nous savons que ces personnes-là sont prêtes à aller au ciel. These people need to come back to God. Ces personnes doivent revenir à Dieu. These people we know are lost. Ces personnes, nous savons qu'elles sont perdues. This is an incredible number of people. C'est un nombre de personnes incroyable. This is 2 billion people. Ça fait 2 milliards de personnes. This is 1.5 billion people. Là, c'est 1,5 milliard de personnes. That's 3.5 billion people. Ça fait 3,5 milliards de personnes. How many people is that? Ça fait combien de personnes? If I started a line. Si je faisais une queue. A line of people. Une queue de personnes. Who are lost. Qui sont perdus. And need salvation. Et qui ont besoin du salut. Jesus said, lift up your eyes. Jésus a dit, levez les yeux. And look on the field. Et regardez les champs. How many people are lost? Combien de personnes sont perdues? If I started that line right here. Si je commençais cette queue ici. One man and one woman behind each other of lost people. Les hommes et les femmes, les uns derrière les autres, tous ils sont perdus. A single line. Une ligne. How far would that line reach? Jusqu'où irait cette queue de personnes? This will stagger your mind. Ça va vous exploser la tête. That line would go all the way around the world. Cette queue ferait tout le tour du monde. At the equator. Au niveau de l'équateur. All the way around the world. Tout le tour du monde. Unsaved people. Des personnes pas sauvées. In the C and D world. Dans le monde C et D. But not just one time around the world. Mais pas seulement une fois le tour du monde. But two times. Mais deux fois. Three times. Trois fois. Five times. Cinq fois. 10 times. 10 fois. 15 times. 15 fois. 20 times. 20 fois. 25 times around the world. 25 fois le tour du monde. The line would reach of unsaved people. C'est la longueur de cette queue de personnes qui sont pas sauvées. So that you understand me. Pour que vous puissiez me comprendre. I mean 25 lines of people. Je veux dire 25 queues de personnes. With nothing between them. Avec rien qui les sépare. One person after the next. Une personne derrière l'autre. That is the vision. Ça c'est la vision. That is the harvest. Ça c'est la moisson. You must put that into your cell groups. Vous devez placer ça dans vos groupes de maison. They cannot focus on themselves. Ils ne peuvent pas être fixés sur eux-mêmes. If they focus on themselves, si se fixent sur eux-mêmes, they will die. Ils vont mourir. Anything that focuses on others, tout ce qui se centre sur les autres, will live and be blessed. Vivra et sera béni. I read you this verse again. Je vous relis ce passage. Jesus said, "Say not there are yet 4 months." Jésus a dit, ne dites pas qu'il reste encore 4 mois. And then comes the harvest. Puis vient la moisson. Behold, I say unto you, mais je vous dis, lift up your eyes, levez les yeux, and look on the fields, et regardez les champs, for they are white already to harvest, car elles sont déjà mûres pour la moisson, and he that reapeth receives wages, et celui qui moissonne reçoit un salaire, and gathers fruit unto life eternal, et il rassemble du fruit pour la vie éternelle. I want to challenge you today. Je voudrais vous lancer un défi aujourd'hui. You who are watching this video, vous qui regardez cette vidéo, prepare yourself for the greatest harvest in the world. Préparez-vous à la plus grande moisson du monde.
There has never been a harvest that's coming like the one coming in the world. Il n'y a jamais eu une moisson comme celle qui vient maintenant sur le monde. And the question is, will you be ready to hold the harvest? Et la question c'est, est-ce que vous serez prêt à rentrer cette moisson? When we first started cell groups, quand nous avons démarré les groupes de maison, the Lord said to me, your church is not ready to hold the harvest. Le Seigneur m'a dit, ton église n'est pas prête à rentrer la moisson. He said, if I sent you thousands of new people like on the day of Pentecost, il a dit, si je t'envoyais des milliers de nouvelles personnes comme le jour de la Pentecôte, you would not be ready to hold the harvest. Tu ne serais pas prêt à rentrer cette moisson, à la garder. We began our 50 groups. Nous avons commencé les 50 groupes. They multiplied to 100 groups. Ils se sont multipliés à 100 groupes. And right after that, et tout après ça, we had a drama at our church. Nous avons fait une pièce de théâtre dans notre église. On the first night, le premier soir, 1,000 people were saved. 1,000 personnes ont été sauvées. We were astonished. Nous étions abasourdis. And we didn't know how to disciple those people. Nous ne savions pas comment faire des disciples. On the second night, another 1,000 were saved. Le deuxième soir, encore 1,000 autres personnes ont été sauvées. For 21 nights, pendant 21 soirs, we showed the drama. Nous avons montré cette pièce de théâtre. It was about heaven or hell. Ça parlait du ciel ou de l'enfer. And in those 21 nights, et en ces 21 soirs, 18,290 people were saved. 18,290 personnes ont été sauvées. We were overwhelmed. Nous étions submergés. We wrote their names on cards. Nous avons écrit leurs noms sur des cartes. And we tried to contact nous them. Nous avons essayé de les contacter. But the next day there were 1,000 more. Le lendemain, il y en avait 1,000 de plus. And the Lord said to me, et le Seigneur m'a dit, this is the harvest. Ça, c'est la moisson. The harvest is coming in your nation. La moisson vient dans votre nation. There will be thousands and millions saved in the world. Il y aura des milliers et des millions qui seront sauvés dans le monde. I believe we're in the closing generation. Je crois que nous sommes une des dernières générations. And the Lord is asking you as a pastor. Et le Seigneur vous demande en tant que pasteur. Are you ready to hold the harvest? Êtes-vous prêt à rentrer la moisson? When Jesus moved the fish under the boat, quand Jésus a mis le poisson dans le bateau, the Bible says their net broke. La Bible dit que leurs filets se sont rompus. Jesus had told them let down nets. Jésus leur avait dit de jeter les filets. And they let down a net. Et ils ont jeté un filet. Our present church structure, notre structure d'église d'aujourd'hui, cannot hold a massive harvest. Ne peut pas contenir une moisson massive. In Seoul, Korea, à Séoul, en Corée, in the largest church in the world, la plus grande église du monde, they have 23,000 cell groups. Ils ont 23,000 groupes de maison. Each cell group, chaque groupe, wins one family per year. Gagne une famille par an. And that is 150,000 new believers. Et ça fait 150,000 nouveaux croyants. Every year, chaque année, through the cell groups, à travers les groupes de maison, with no other outside meetings, sans autre réunion publique, here in our church, ici dans notre église, we have many times 25 people every week, souvent nous gagnons jusqu'à 25 personnes par semaine, who are saved in cell groups, qui sont sauvés dans les groupes de maison. Cell groups are meant to evangelize. Les groupes de maison sont faits pour évangéliser. They have the four elements of evangelism. Ils ont les quatre éléments de l'évangélisation. They have purpose. Ils ont un but. They have partnership. Ils travaillent en partenariat. They have prayer. Il y a la prière. And they have penetration. Et ils pénètrent dans les endroits. I want to challenge you today. Je vous lance un défi aujourd'hui. Arrange your church into evangelistic cell groups. Organisez votre église dans des groupes de maison d'évangélisation. As a pastor, en tant que pasteur, write the lesson every week. Chaque semaine, écrivez la leçon. 1 week focus on believers. Une semaine centrée sur les croyants. To edify each other. Pour s'édifier les uns les autres. In the second week. Et la deuxième semaine. Focus on the lost. Centrez-vous sur les perdus. And bring in the lost. Et faites entrer les perdus.
On the third week, et la troisième semaine, go back to believers. Revenez aux croyants. And edify the believer. Et édifiez le croyant. On the fourth week, la quatrième semaine, evangelize the lost. Évangélisez les perdus. And in this way, cette façon-là, week after week, semaine après semaine, month after month, mois après mois, the cells win souls. Le groupe de maison gagne des âmes. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray for you. Je veux prier pour vous. For the Lord to help you fulfill your purpose. Que le Seigneur vous aide à accomplir votre but. Lord, I pray for those watching this video. Seigneur, je prie pour ceux qui regardent cette vidéo. They have a purpose. Ils ont un but, une destinée. Their purpose is winning souls. Leur but, c'est de gagner des âmes. They will fulfill that purpose best in a group. Ils accompliront le mieux ce but dans un groupe de maison. They will never be satisfied. Ils ne seront jamais satisfaits. Until they fulfill their purpose. Jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur but. And they have no promise of tomorrow. Ils ne savent pas ce que sera le lendemain. We don't know the day or the hour. Nous ne connaissons pas l'heure ni le jour. When Christ will return to earth. Où Christ reviendra sur terre. Or a person may die. Où quelqu'un peut mourir. Help us to win our relatives. Aide-nous à gagner nos familles. Satan, loose our relatives. Satan, lâche nos familles. Loose our friends. Lâche nos amis. Loose our nations. Lâche nos nations. Help us to be lizards for God. Aide-nous être des lézards pour Dieu. To penetrate the unsaved. Pour rentrer là où il y a les perdus. To win the 25 lines of lost people around the world. Pour gagner les 25 queues de personnes qui font le tour du monde. We thank you, Lord Jesus. Te remercions, Seigneur Jésus. For the harvest now. Pour la moisson maintenant. For living in this generation. De pouvoir vivre dans cette génération. And we give you the glory for it. Et nous te donnons la gloire. In your mighty name we pray. Dans ton nom puissant nous prions. Amen. Amen. God bless you. And in our next session, Dieu vous bénisse à la prochaine session, we'll talk about raising up leaders. Nous parlerons de lever des conducteurs. Through cell groups. À travers les groupes de maisons.